Surtout, il faut très bien les positionner. Papa? Ma chérie? Ce terrain est très grand. Quel terrain? Tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Combien de personnes as-tu? J'en ai plein. J'en ai tellement beaucoup que je ne m'en souviens même plus. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Ah, tu connais bien ta fille. Ta fille pose beaucoup trop de questions. Elle n'arrête jamais. Toujours à poser des questions. Papa, j'aimerais te faire une suggestion. Oui? Papa, vendons quelques-uns de nos terrains. Nous ne saurons pas travailler partout. Nous risquons de mourir. C'est très bien réfléchi. Hein? C'est bien. Pourquoi? Je sais que ton sang coule dans mes veines. Exact. Mon sang coule également dans tes veines et ta question a été très bien formulée. Exact. Et ta question est vraiment très stupide. Maintenant, baisse-toi et prends tout ça. Travaille. Ah ah. Voilà qu'elle part de vendre, vendre, vendre. N'importe quoi. Tu ne réfléchis donc pas. Si nous les vendons aujourd'hui, nous allons nous réjouir, et surtout moi particulièrement. Mm-hmm. Alors, qu'en est-il de demain? Où est-ce que nous irons travailler? Maman, je me marierai à un homme riche. D'accord. J'ai été entendu. Mais s'il te plaît, travaille rapidement. Bientôt nous allons rentrer à la maison. Un homme riche qui n'aime pas la terre. La terre. Hein? Les hommes riches ont beaucoup de terre, si tu ne sais pas. Je n'aurai pas à travailler la terre. Mon mari serait un homme riche. Mais nous disons la même chose, non? Ton homme riche en question n'aimera pas posséder la terre comme propriété, c'est ça? Papa? Mais quel genre d'homme riche va-tu épouser au juste? Je t'en prie, Urena. Finis vite. Tu crois que si tu te maries à un homme riche, tu ne seras pas obligé de travailler? Oui, tu dois apprendre à travailler pour que vous ne puissiez pas mourir de faim. Dique les grands hommes. Ah, vraiment. Mon cher ami, quelle joie de te voir. Salutations à vous. Tu veux qu'elle vienne chez toi? Mon cher, je rentre. Tu n'es déjà pas chez encore moi. Fatigué. À tout moment, comment je t'ai dit, être travaille fatigué? Sur ça. Hein? Hein? J'étais en train de venir
te dire que je passerai après. On a des choses à se parler. Vraiment, peut-être demain. Oui. Pas aujourd'hui. Ok, je te verrai au plus tard la nuit. Ce soir? Je fais un truc et je te verrai au plus tard la nuit. Oui, au plus tard la nuit. Papa est riche. Bien sûr, nous sommes très riches. Ton père fait partie des hommes riches de ces villages, d'ailleurs de ces royaumes. Et nous souffrons de cette façon. Que veux-tu dire par nous souffrons? Maman, je pars au champ, je puise de l'eau, je cuisine. Je n'ai même pas de belles histoires du genre des beaux habits. Et tu essaies de dire que nous sommes riches, mais comment? C'est pour toi, la richesse veut dire gaspiller de l'argent. Sur toi, ma fille, je te conseillerais d'oublier. Hein? Écoute, personne ne gaspillera de l'argent sur toi. Dans cette famille, tu dois tout faire pour apprendre à cultiver la terre. C'est ça notre seule source de revenus. Après que toutes les deux avaient quitté le champ juste avant moi, je me suis vu face à face avec Ekwe et il a dit qu'il aimerait bien me voir. Pourquoi? Comment le saurais-je? Papa, peut-être qu'il viendra acheter un de tes terrains. Tout le monde le sait dans ce village, il achète des terres auprès des gens. Acheter les terres? Tout ce qu'il fait, c'est ravir la terre auprès des gens. Voilà exactement ce qu'il fait. Écoutez-moi, oh. Écoutez-moi bien. Je veux vous dire ceci à toutes les deux maintenant. Nos terres à nous ne sont pas à vendre. Bam. Nos terres ne sont pas à vendre. Les terres de mes pères ne sont pas à vendre. Nous continuerons de cultiver nos propres terres. Dans cette génération comme dans celle du futur. Bah, exact. Mais papa, veux-tu la fermer et manger ta nourriture? Que connais-tu à propos de terre? Veux-tu vendre, hein? Ou soit dit qu'il t'a envoyé? Naï, je t'ai entendu. Il n'y a rien à ajouter. Aïe, 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 aïe. Vas-y, parle, mon ami. Tu vois que c'est trop dur. Ha! Crois-moi, non, moi je ne cherche que des meilleurs. Bien. En tout cas. Et quoi? Dis que. Ah, mon ami. Dis que mon frère. En tout cas. Tu as dit que tu voulais me voir. Oui. C'est pourquoi je suis ici. Il est dit qu'on bat les fers quand il est encore chaud. Ça, c'est vrai. Il est conseillé de chercher c'est la vrai. Pluie. Hein, c'est très important. Très, c'est très important. Je t'avais dit les jours que je devais te voir. On a une discussion très importante. Bon, ce qu'on a, c'est... À se parler, c'est, ce n'est pas un truc du... En fait, c'est très simple. On mange la viande au bon moment. Je t'invite à une fête. Quelle propriété? Ah, une détecteur. Je veux que tu me les vendes. En fait, changeons juste cela.
Je te donne l'argent et tu me donnes ta terre. J'en ai besoin. Et quoi? Ce n'est pas possible. Je ne vends pas mes terres. Pourquoi? Mais pourquoi tu gardes toute cette terre? Hein? C'est assez beaucoup pour toi, tu ne trouves pas? Bien que tu dis que tu l'as hérité de ton papa. Mais ton père l'a hérité de quelqu'un d'autre. Soit il avait acheté ou bien il avait hérité ce qu'il a. Tout ça c'est pareil. On est en train de parler de l'échange. Vends-moi une de tes terres. Qu'est-ce que tu fais avec toute cette terre? Je vais lui manger. Ce ne sont que des fermes. Comme tu en as assez, vends-lui moi. C'est comme ça que ça se passe. Et quoi? Je n'aurais jamais pensé que ceci pouvait vraiment venir de toi de cette façon. La terre est un héritage. J'ai hérité cette terre de mes pères. Depuis mes arrière-grands-pères. Je donnerai toutes ces terres-là à mes enfants quand je le voudrais bien. Je ne les vends pas. Dike, il aura un temps, ça je le sais. Tout ce que tu es en train de dire, une chose est sûre, tu n'es pas sorti avec ces terres dans les ventres de ta mère. Ça t'a été donné par ton grand-père. Ton père. Et toi, c'est l'héritage que tu entends de parler. C'est juste une simple échange. L'échange d'héritage. Tu peux l'échanger avec l'argent. Tu peux l'échanger avec n'importe quoi. Tu en as une grande partie. Vends-les-moi. C'était moins simple que ça. Et quoi? Mes terres seront échangées quand je ne serai plus de ce monde. Elles seront échangées à ma famille. Dis-moi seulement que tu n'as pas envie de les vendre. Je ne les vends pas. Je ne vends pas les terres. Je ne les vends pas. Et je ne mâche pas mes mots. Je suis quand même ton frère. Très bien. Je suis sur le point de vendre. Pas bien. Au revoir. C'était quoi tout ça? Ça ressemble à se réveiller le matin et de voir un fauve en train de te poursuivre. Ah, mon cher. En tout cas, cours. Tu ne sais pas si le fauve a des très longues griffes pendant la nuit. Dicky ne me connaît pas très bien. Il pense que je n'ai pas de l'argent. C'est ce que nous allons voir. Dicky, tu vas les vendre. Tu vas vendre. Tu dois me vendre une de tes terres. Oui, tu dois le faire. Regarde-moi ça, Dicky. À me parler en face. Soi-disant qu'il a déjà pris une décision. Comment est-ce que tu as pris une décision devant moi? La force elle-même. Les fils des esprits. Ike, tu dois changer la décision. Très bientôt, si tu ne veux pas que le feu s'allume ici. Eh quoi, Dike? Ça ne va pas se terminer comme ça. Est-ce par force? Il veut t'imposer à lui vendre la terre? Je me le demande moi aussi. Soit il n'a pas vu d'autres terrains, on vend par imaginer? Force. Tu aurais dû être là quand Ekwe parlait en désordre. Il parlait comme si c'était quelque chose qui devait être fait. Comment? Hein?
vendre mes terres. Je lui ai dit, écoute, je ne les vends pas. Tu sais, il m'a pointé le doigt pour me dire que je devais le vendre. Tu sais, il m'a demandé ce que je faisais avec cette vaste terre. Et que je devais la vendre. Peux-tu imaginer? Que la terre est là pour être échangée. Ah, ah! Non mais, oh Dieu, c'est quel problème ça? J'étais surpris. Maintenant que c'est de cette manière, ça m'a fait penser à une chose. Je crois qu'il est temps pour moi d'être finalement prêt. Maintenant, je crois que je dois être prêt à le recevoir. Puisse-t-il venir? Qu'il ose venir. Je ne suis pas comme tous ces hommes auprès de qui il va pour les faire déposséder de leur propre terre. Il ne peut pas me faire ça à moi. Il ne peut pas essayer cela avec moi. Je vais lui montrer que je suis très fort. Où était-il quand tu gagnais tous ces terrains? Oh, chéri, ne le suis pas. Détends-toi. Pas grave. Tu ne dois plus aller vers lui. Et tel qu'il est là, il ne peut rien faire. Papa, je pars briser. Ah, ma fille. Tu pars à la rivière. Ne sois pas longue. Pas bien, ma fille. Non, mais tu aurais dû voir ça, oh. Donc, tout le terrain qu'il a sa possession et qu'il continue d'acheter n'est pas assez. Est-ce que nous avons hérité? Ça c'est beaucoup trop pour nous. Mais toutes ces étendues des terres qu'il a eues auprès des gens sans leur consentement, ça c'est pas trop. D'accord, c'est ce qu'on verra. Vendre cette terre. Allez-vous-en. Père. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi parlais-tu tout seul? Imagine Dike. Elle a refusé de me vendre sa terre. Moi. Egwe. Egwe Dike. Écoute-moi, papa. Était-il ivre? Avait-il bu? Ne sait-il pas que c'est toi, l'homme le plus riche ici, dans ce royaume? Dike me l'a dit en face. Dike me l'a dit en face. Hey! Hey! Ah! Ah! C'est bon, père. C'est bon. Je pense que je sais quoi faire. Tu n'as qu'à rester un peu calme. Tout ce que je veux de toi, tu joues tous tes rôles et je joue le mien. Que ça soit ainsi. Que ça soit ainsi. Ma fille, comment vas-tu? Arrange ça très bien. Et après avoir balayé, essaye de te reposer. Et puis, rejoins-nous, d'accord? D'accord, papa. Se reposer pourquoi? Hein? Se reposer? Mais qu'a-t-elle fait aujourd'hui? Elle n'a encore rien fait. Une fois que tu aurais fini de balayer, prends la calebasse et va puiser de l'eau à la rivière. Hein? Ensuite, apporte-nous à manger. Fais-le vite, ne traîne pas.
À te voir, je ne sais même pas si tu avais réussi à dormir la nuit. Oui, maman. Merci. Je le ferai. Allez, sois très prudente, ma très chère fille. Allons-y. Hein? Sois prudente sur ton chemin. Bonjour père. Bonjour fils. De quelle place tu étais? Plan. Oui. Père, comme tu as l'habitude de dire, il faut d'abord faire un bon plan avant même de pouvoir en parler à qui que ce soit pour que le plan soit efficace. Tu as raison. Ne t'inquiète pas, père. Implémente tes propres plans et je ferai pareil avec le mien. Très bien. Merci. Père, je me dirige déjà vers la rivière. Rappelle-toi des mots de ta mère qu'elle avait dit. Comme elle t'a toujours dit, toujours prendre soin de toi. J'ai bien compris, mon père. C'est compris. Je bénis les dieux de notre terre de nous avoir donné une telle beauté. Laisse-moi te dire, tu es la plus belle fille que mes yeux aient jamais vue. Ne te ridiculise pas, je te connais. Vraiment? N'est-ce pas que c'est toi le fils de Kwedike? Oh, tu connais mon père. Je devine que tu sais aussi que mon père est l'un des hommes les plus riches dans ce royaume. Non, mais je connais la fille avec qui tu sors. Oh, oui. Mais je l'ai laissée partir. Quand j'avais découvert que je n'avais pas des sentiments pour elle. Comme tu peux bien voir, je suis tout seul maintenant. Moi aussi. Je suis toute seule. Tu y es toute seule. S'il te plaît, peux-tu m'attendre un peu le temps que je prenne aussi de l'eau? D'accord, pas de problème. Merci. Je pense que nous devrions être des amis, au moins. Nous sommes déjà amis. Oh, nous sommes déjà des amis. Bien. Moi, c'est Obinna. Pas seulement Obinna, mais Obinaya. Oui, Obinaya.
Je suis Ure. Urena. Urena. Oh? Quel joli nom pour une jolie demoiselle. Merci. Wow. Bien. Sinon, Obi, je... Le chemin de ta maison, c'est par là? Ou soit, tu te rends quelque part? Oh, non, non. Mm-hmm. Ne t'inquiète pas. C'est toi que j'accompagne jusqu'à chez toi. Hmm. C'est bon? Mes parents seront bientôt à la maison. Tu as intérêt à ne pas venir avec moi. Très bien, alors. Si je meurs en faisant ma requête de faire de toi ma femme, alors c'est une mort noble. Montre le chemin. Ah, ma chérie, conduis-moi. Je vais travailler avec toi pendant un petit moment. Et je vais aller continuer sur notre terrain. Hmm? Là où j'ai planté des maïs. Hmm? Mm-hmm. Hmm. Tu les fais pour la construction de notre maison, soit pour vendre. Qu'est-ce que tu penses juste? Nous pouvons nous débrouiller avec le paix que nous avons à la maison. Exact. Et peut-être demain nous irons au marché. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est d'accord, après tout nous n'avons pas de marché. Mais j'ai beaucoup de clients. Bonjour. J'ai beaucoup de clients. Je vais le faire venir à la maison pour qu'elle vienne acheter. C'est tout. Voilà, je suis là. Obi? Pourquoi? Je pense que je dois encore prendre un peu d'eau. Tu en auras besoin. Qu'en est-il de toi? Tu n'en as pas besoin? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Ok? D'accord, je dois cuisiner rapidement pour apporter la nourriture à mes parents. Ok, c'est très bien. Mais comme tu es en train de faire le repas, je vais aller au ruisseau chercher encore un peu d'eau. Mais s'il te plaît, rassure-toi que mon estomac soit bien servi. Bien sûr, bien sûr que je très le bien. Ferai. Je vais rapidement. Ok. Ben, s'il veut aider, alors qu'il le fasse. Ça ne me dérange pas du tout. Juste un. Juste oh. Un. Hmm? Tu m'as déjà cassé la hanche aujourd'hui. Hein? Regarde-toi. Hein? Je voulais pour la dernière fois. Je n'étais pas sur le point de le casser. Pas encore, hein? Tu vois? Allons nous asseoir. Assieds-toi. Hmm. Assoyons-nous. Je veux que tu parles à la fille. Conscientise-la très bien. Si on l'a de notre côté, nous pouvons lui trouver un mari. C'est simple. La femme contrôle un homme. J'ai bien compris, papa. Je parlerai avec elle. Mais je ne suis pas d'accord avec l'histoire de la femme peut contrôler quoi? L'homme. Tu vois. Je ne veux pas que tu sois contrôlé par moi. Tu as commencé à coucher avec moi depuis la mort de mon mari. Et je t'ai dit de m'épouser, mais tu as refusé. Ma chère, aucune femme n'est exclue au mariage. Oui, tu es une parfaite maîtresse. Mais tu seras une terrible... Quoi? Mais je me marierai avec quelqu'un et je dois être fidèle à lui. Tu me prends pour ton utilisatrice? Ok, je vois. Je sais que tu es la meilleure.
Mais pour le moment, parlons d'autre chose. Je veux que tu parles à Anida. Parle-lui pour moi. Comme ça, je vais coucher avec Agui. Et je vais prendre soin de toi et tes enfants. Hey, s'il te plaît, épargne-moi. Je parlerai avec Olé. À chaque instant, tu me déranges avec ça. Hey, viens voir, viens. Viens, regarde ça très bien. Mais de quoi tu parles? Quoi, tu n'as pas vu ça? Mais fallait bien regarder. N'est-ce pas Obina qui va là-bas? Depuis quand est-ce qu'il puise de l'eau, hein? Mais laisse-le puiser de l'eau, non? N'est-il pas un homme? Mais non, il est le fils d'un homme très riche, je ne peux aller puiser de l'eau comme ça. C'est comme s'il y a un problème. Je crois vraiment qu'il y a un problème, c'est pas normal. Allons-y. Pourquoi l'enfant d'un riche doit aller puiser de l'eau tandis qu'il y a des servantes qui pouvaient le faire pour eux? Ou bien il s'était chemin avec son père? Non, je dois découvrir ce qui se passe. Merci beaucoup d'être venu, mon ami. Pas un problème. Je commence à partir. Mais je dois déjà si ma mère ne m'attendait pas à la maison, j'allais attendre jusqu'à ce que ta nourriture allait être. Je ne mangerai pas ta nourriture. C'est bon, t'inquiète pas, ma belle. Prochainement. Au revoir. Prends soin de toi. Hey. Et voilà. Oh, Obina. Oh. Je suis là. Laisse-moi verser cette eau. Je suis là, c'est fait. Obina, tu es une bonne personne. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors dis-moi, quand est-ce que je te vois encore? Tu peux venir me rendre visite demain. Mes parents iront au champ. Ça c'est si seulement tu veux te cacher d'eux. Obi, je crois qu'il serait mieux que tu ne viennes pas. Non, ne t'inquiète pas. Je serai ici demain, ok? Je veux que tu saches que je t'apprécie vraiment beaucoup. Et je veux que toi et moi soyons les plus heureux dans ce royaume, comme mari et femme. C'est bien. Je sais que tu aimes ça. Ne t'inquiète pas, je te verrai demain. D'accord. Il faut que j'aille maintenant. Obi, oui. Au revoir.
Ma. Oui, confrère. Viens. Assieds-toi. Je veux te poser une question. Qu'est-ce qui ferait que le fils d'un homme riche puisse aller à la rivière puiser de l'eau, alors qu'ils ont des servantes qui peuvent faire cela? Grand frère, je ne vois absolument aucun mal avec ça. Tout homme peut aller à la rivière puiser de l'eau. Ça n'a rien à voir avec le statut ou la position qu'occupe la personne. Donc je ne vois aucun mal avec ça. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Tu peux y aller. Père, veux-tu me dire qu'il n'y a pas d'eau dans cette maison, c'est ça? Est-ce que cela veut dire que tes servantes et tes serviteurs n'ont pas cherché d'eau? Massi! Je n'avais pas dit qu'il n'y en avait pas de l'eau. Je m'inquiétais juste que tu y ailles avec la calebasse et que tu retournes ça vide. Bien... Père, je ramenais les vases vides. Maintenant, pour satisfaire ta curiosité, j'ai ramené les vases vides ici. Et les raisons, je les garde avec moi pour l'instant. Je voulais juste te dire que sois prudent. Tout ce que je dis, c'est pour toi de prévenir ton mari. Tu sais, les enfants de Uke, leur papa les a rien laissés. Voilà pourquoi ils demandent toujours la nourriture. Tu veux dire? C'est pour cette raison qu'ils se disputent avec les gens pour leur ravir le terrain? D'ailleurs, il va si loin au point de tuer quelques propriétaires de terrain. Il avait tué ton mari. Oui. Et juste après, il a menti qu'il lui avait vendu le terrain avant sa mort. N'importe quoi. Si ton mari lui avait réellement vendu ce terrain, t'es-tu déjà demandé qu'est-ce qu'il avait fait avec cet argent? Peu importe. Et quoi a utilisé son fétiche pour t'en voûter et te mentir? Peu importe. Vas-y, amuse-toi bien. Un jour, cet envoûtement va partir. Et tu te rappelleras d'aujourd'hui. Ok, pas de problème. Va lui dire ceci. Nos terrains ne sont pas à vendre. La réponse est non. Et notre nom reste non. Pas de problème, Sobadi. Laisse-moi partir. D'accord. Rassure-toi de lui transmettre notre message. Voyez-moi cette bêtise. Va aller lui dire. Ou soit, va-t-il venir nous les ravir par force? Qu'est-ce que c'est? Tu veux que nous puissions te vendre nos terres? Tu veux les acheter? Tout ce que tu sais, c'est acheter et vendre. Le même terre que nous comptons les léguer à notre enfant et à notre future génération. Jamais t'es la vie. Je ressemble à un maman désespéré. Je sais ce qui est dur. Je veux
vais mettre en action tout mon embrayement pour lui. Et par là, je pourrai venger la mort de mon mari. Et retourner chez mes enfants. Oui, je prétends bien être prudente. Je souhaiterais que prochainement qu'il envoie ses concubines pour venir ici. Ne les suis pas. Prochainement, c'est les rois qu'il va envoyer. Il est sans importance. Sans importance. Écoute, ce doigt commence vraiment à me faire très mal. Il fallait que tu... Oui, oui. Aide-moi à les étirer. Oublie quoi, hein. Ce n'est pas un homme sérieux en tout cas. Il n'est pas normal. Oui. Oledo, j'ai dit étire mes doigts. Ne les romance pas, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Que j'arrête? Biko, s'il te plaît, n'arrête pas. Je ne dirai plus rien, ok? Ah, fais-le comme tu veux. Ouvre-les. Oh, c'est trop appétissant. Nain, ton fils ne mange plus encore. Il a des comportements bizarres ces derniers temps. L'autre fois, je vis Ike dû prendre de l'eau pour la fille de Ike. La fille de Dike. T'en es sûr? Oui, Nain. Mais ne lui dis pas que je dis vrai. Tu connais ton fils ne m'aime pas. Ok. Tu aimes ça? Oui. Laisse-moi te faire manger. Fais beaucoup attention. Ourena. Merci, ma fille. Essaie de te dépêcher, ok? D'accord, papa. Ne fais pas attendre comme tu l'as fait la dernière fois. Oui, papa. Allons-y. N'oublie pas de laver les habits que je t'ai laissés. Je le ferai. Prends soin de la maison. Ok, maman. Ouena. Ouena. Comment? Calme-toi. Ne te dérange pas. Je les ai vus partir. Alors, dis-moi un peu, ma jolie. Comment t'es sentie aujourd'hui? Ça va. Bienvenue. Merci. Prends place. Non, je ne pense pas qu'il serait sage pour moi de m'asseoir ici. Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici me voir. D'accord? Et si je t'attendais à l'intérieur? À l'intérieur? Oui. Ok.
gâtine, non? Imagine un peu, j'ai oublié de prendre de l'eau. Tu as oublié de prendre de l'eau? S'il te plaît, tiens-moi ça, j'arrive. Dois-je partir avec tout ça moi-même? J'arrive. Ne peux-tu pas aller avec ça à la maison? Dans ma maison. Quoi? Oui! Demande-lui! Chèvre! Obina! Les voilà! Mais calmez comment ça? Je vais crier! Tout le monde doit l'entendre! Hey! Quel ami inutile? Quel ami? Hein? Elle était dans la maison et tu voulais abuser d'elle! Est-ce que je t'ai déjà vu venir la visiter à la maison? Hein? Donc aujourd'hui, après que mon mari et moi puissent aller au champ, elle est devenue soudainement ton amie et tu es entrée dans ma maison. Arrête! Ne fais pas ça! Ne me touche pas! Laisse-moi gérer ça! Ne fais Tout le monde l'entendra! Calme-toi! Hey! Ok? Mets-toi. Hein? Tu connais les enfants d'aujourd'hui. Ils ont leur manière de faire les choses. En fait, je t'en supplie, calme-toi. Il n'y a pas à se quereller là-dessus. Tu te trompes! Non! Non! Moi, Ledo, le monde entier le saura. Laisse-moi en finir avec lui. Laisse-moi en finir avec lui avant que les gens ne viennent. Calme-toi. Tu sais de quoi je parle. J'ai pas envie de partir là-bas pour que les gens me questionnent. C'est pour ça que je dois le faire maintenant. Ok. Tu crois que tu veux jouer avec moi juste comme ça? Ok. Hein? Tu viens jusque chez moi pour abuser de ma fille. C'est impossible. Maison. Maman, vous me déblez. Je t'en prie, maman, pardonne-moi. Achète-moi avant que je ne te tue. Maman, maman, crois-moi, je ne l'ai pas fait. Je le jure, je ne l'ai pas invité. Il était venu de soi-même. Pitié, maman, pitié, je t'en prie, je n'ai rien fait, je te jure. Il était venu seul. Je ne l'avais pas appelé. Pourquoi était-il dans la maison? C'est lui qui a insisté d'entrer dans la maison parce qu'il ne voulait pas que les gens puissent les voir. Maman, je t'ai dit vrai. Es-tu sûre? Je ne l'ai pas fait. Pas de problème. Je te crois. Je te crois. Hein? Pas de problème. Je sais ce qu'il voulait. Allez, lève-toi à la maison. Va t'abriter, nous partons au champ. Je sais bien ce qu'il cherche. Je le sais. Vite! Fais vite!
Ton père nous attend. Mon intention était de me rapprocher d'elle. Et enfin faire d'elle ma femme. Oui, oui. Le pousser à m'efforcer de l'épouser. Et alors, à la fin, son père n'aura pas d'autre choix que de faire affaire avec toi. Après tout, ça sera la belle famille. C'était ça l'intention. Ton plan était bon. Mais tu sais que les femmes, on leur fait pas confiance assez. Tu dois la laisser partir. Une fois qu'elle vient ici, c'est alors que vous allez arranger. Oui, les jugements ne pouvaient pas être corrects si seulement qu'elle était ici. Mais tu dois aller là-bas. Et sa mère n'est pas du tout contente de toi. C'est ça le problème même. Mais papa, j'avais presque réussi. Je ne pensais pas que tu pouvais tuer un oiseau. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je trouverai une solution. C'est pas ça. Je trouverai une solution. J'arrive. Obina t'a violé. Et la tradition exige qu'il t'épouse. Donc, Eko et moi devenons des beaux frères. Et malheureusement, il n'y aura plus aucune raison pour que je ne fasse plus affaire avec ça lui. Ça ne sera plus du business. Il héritera. Plus aucune raison de lui vendre une seule terre, car nous serons des beaux frères. Papa, es-tu sérieux? Ma fille, cela est principalement la raison pour laquelle Obina a commencé à te parler depuis le début. Hey! C'est pour cette raison qu'il m'a fait aider à puiser de l'eau hier. Gloire à Dieu, il n'a pas réussi. Si je n'étais pas rentrée à la maison quand on partait au champ pour venir récupérer ton eau, ces garçons allaient réussir. Il aurait bel et bien J'étais rentré à la maison et j'ai trouvé ma fille en train de crier « à l'aide, au secours !» Et personne ne venait. Ah! Ah! Eh ouais! Eh quoi? Eh quoi? Heureusement que ça n'a pas marché. Tu aurais vu de quel bois je me chauffe si cela était seulement arrivé. Tu allais bien voir ce que je t'aurais fait. Remercie les dieux de t'avoir sauvé. Que cela ose se refaire. Et tu verras. Chérie. Oui. Ekwe et son fils essaieront à nouveau de nous atteindre au travers de notre fille. Tu as raison, Naï. Alors, que devons-nous faire à propos? Elle doit aller vivre chez ma sœur à Omo. Je ne sais pas. Une fois qu'elle partira d'ici, il n'y a rien qui puisse tenter à nouveau. Tu as raison. Oh oui, nous devons être sur nos gardes. Nous devons être prudents. Oui, très prudents. Allez, Nai, mange d'abord ta nourriture. Mmh.
En fait, c'est ça l'histoire. Tu vas vraiment me manquer. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se verra. Auré, ma chère amie, ta présence va vraiment me manquer dans ce village. Ego, t'inquiète pas, mon ami, je reviendrai. Ok? Je vais me rassurer qu'Obina puisse nous le payer. Je me battrai pour ça, mon ami. Ah ah. Viens. T'inquiète pas. C'est comme je te l'ai dit. Je reviendrai. On ne peut quand même pas en arriver là. Je crois déjà te l'avoir dit. Ma mère ira me prendre et je reviendrai. Oh. Obina. Ah. T'inquiète pas, mon ami. Je reviendrai. Ok? Hein? Prends soin de toi, mon ami. Ouré. Allez, viens par là. Oh. Arrête, s'il te plaît. Je t'assure, mon ami, que je reviendrai. Ok? Oh. Tu vas beaucoup manquer. Prends soin de toi. Il est dit que peu importe les crimes, allez voir les concernés. C'est très important. C'est pour cela qu'on est là. On est là pour présenter nos excuses à ces malentendus concernant les actes de mon fils. Cela dit, les choses ne peuvent pas finir de cette façon. Nous devons se rassurer que tout va bien pour que ça ne se reproduise jamais. C'est ça la solution. Et si jamais il avait réussi? Voilà. Hein? Si jamais ton fils avait réussi à violer ma fille? Je le jure par les dieux, ça m'avait tellement fait mal. Nous ne devons pas s'accrocher au passé. Parce que c'est simple que ça. Tu aurais fait cela? Oui. C'est ça même le problème. Oui. Ok. Si j'ai besoin d'une femme, j'utilise mon argent. C'est très simple que ça. Mon cher ami. Et quoi? Dis que... Nous avons entendu. Puisse ce problème devenir un passé oublié. Merci beaucoup. Mazé. S'il vous plaît, est-ce que je peux voir votre fille?
afin que je m'excuse auprès d'elle personnellement. Eh bien, Obina, rentre avec ton père à la maison. Cette affaire est close. C'est ça. Dicky, mon frère, je te remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Assieds-toi d'abord. Tu as beau essayer, mais ça n'a jamais été le bon chemin. Ce n'était pas le bon chemin. Tu as eu beaucoup de chance de rendre cette fille folle de toi. Tu es allé trop vite. On ne part pas vite avec les femmes. C'est très bien. Tout va bien. Merci, mon père. Je sais. Mais je te promets, je vais certainement faire quelque chose pour cette affaire. Pour cette fois-ci, il n'y aura plus de place pour les excuses. Non. Quoi? Faut pas. Tu es tellement chanceux. Mais Dicky, c'est une très bonne personne. Et très important dans la société. C'est un homme fier. Il m'a aidé beaucoup. D'ailleurs, ton nom sera connu de tous dans ces royaumes. Pour avoir délibérément violé ou essayé de violer une servante, tu sais ce que ça veut dire. Cet acte dans ces villages va anéantir ce royaume. Et le malheur va te suivre. Et à ce moment-là, tu seras dénigré. Oui! Ce n'est pas une mince affaire. Oui, mais papa, tout ça. Oui, tout ça. Parce que le viol est très très mauvaise. Le viol vient du diable. Le viol est interdit à nos ancêtres. La mort est généralement inacceptable. C'est contre les dieux et l'humanité. Tu ne peux en aucun cas forcer une femme de coucher avec toi. Non, jamais. C'est pour cela que j'essaie d'utiliser mon argent pour avoir ce que je veux. Oui, je dépense beaucoup d'argent, essayant de les avoir par la voie normale, et elles vont t'aimer. Et là, elles vont accepter de coucher avec toi librement. Mets ça dans ta tête. Avec toute ma richesse, je n'ai jamais violé une femme. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas à quoi tu pensais pour arriver à tel niveau de viol. Si ça arrive encore, je dirais que tu n'es pas mon sang. Merci, papa. Je t'en prie. Je pense que j'ai compris maintenant. C'est très bien. Merci. Tout va bien. J'espère que tu vas y penser. Thank you.
n'a jamais vu de belles femmes comme nous avant. Regarde la façon dont il nous regarde. Tu as raison. Il souhaite vraiment que l'une de nous soit à lui. Nkoli, Ikena a dit ça. Tu es folle. Mais son attitude peut tout dire. Quant à moi, je te dis au revoir. Eh ouais. Et quoi qui couche partout avec toutes les filles dans ce village. Veuve, femme d'autrui, il ferait mieux de se calmer un peu et trouver sa femme à lui. Cory, tu as raison. Mais Ike n'est pas un homme sérieux. Mais il peut devenir une option. Non, vraiment. Je crois qu'on va commencer par ici. Oui, commençons là. Bien, entre là comme ça, on va commencer ici. Aïe, j'ai été parlé. Ah. Aïe, je veux d'abord que nous puissions causer avant de travailler. Oledo, y a-t-il un quelconque problème? Oui. Pourquoi est-ce que tu regardais Koli et son ami Ifi de cette façon? Pourquoi est-ce que tu les suivais des regards comme si tu n'as jamais vu une femme? C'est quoi cette humiliation? Cela? Oh! Oledo! Lâche-moi. Oledo, cela ne veut rien dire du tout, ok? Ce n'est pas du tout ce que tu crois, ok? Mes pensées étaient très pures. Tu sais, quand tu vois quelque chose qui est bien, quelque chose qui plaît aux yeux, les yeux doivent la regarder. Ils doivent le voir et l'admirer. D'ailleurs, j'aurais souhaité que ma propre femme puisse s'habiller assez bien pour ressembler à ces deux-là. Qu'est-ce que tu dis? Je ne m'habille pas bien. Eh bien, tu as la réponse à cette question. Tu en connais la réponse. Oledo, tu t'habilles comme la femme d'un pauvre homme mort ou d'un veuf. Dans ce cas, c'est ce que tu es. Eh oui! Qu'est-ce que tu dis comme ça? Chérie, attends. Ne me touche pas! Attends. Hey! Oledo, mon épouse. La femme selon mon cœur. Hein? La seule et unique femme que j'ai dans ce monde. Oledo, tu ne me réponds plus pourquoi. Dis juste ce que tu as à dire. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que sois naturel tel que tu es, d'accord? Hein? Sois juste belle et habille-toi bien, c'est tout. Donc pour toi, je ne m'habille pas bien. Honte à toi. Mais je n'étais pas d'accord avec le fait que tu ne t'habilles pas bien. Hein? Tu es la femme d'un homme riche. Habille-toi de cette façon-là. Nous avons de l'argent, prends-en. Achète-toi des habits. Dépense l'argent sur les habits. Dépense l'argent sur des bijoux et des bijoux très précieux. Ainsi que toutes ces choses que les femmes utilisent pour décorer leur corps. C'est tout. Hein? Habille-toi bien. Voilà ce qu'un homme est en train de demander à sa femme. Habille-toi bien. Ok. Du fait que, à tes yeux, moi, Oledo, je ne suis plus attirante. Dans ce cas, va te trouver une autre femme. Pourquoi es-tu si colérique? Pourquoi ne veux-tu pas entendre ce que je pose comme argument? Tu connais le plan et le projet que nous avions depuis le début. C'est toi, tu es en train de tout gâcher. Si c'est moi, je faisais des dépenses, tu allais dire que les femmes ne savent pas économiser.
Mais sinon, tu commences à dire que je ne m'habille pas bien. Oledo. Quand on fait un plan et que ce plan ne marche pas, nous devons changer ce plan. Alors, changeons ce plan. Habille-toi mieux. Dépense l'argent. C'est alors, tu aurais dû m'appeler et me dire que le plan a changé. À la place de regarder d'autres femmes tout en essayant de me comparer avec elles. Elles sont bien habillées, tu ne t'habilles pas bien. Ah. Est-ce que tu m'avais dit que le plan a été changé? Oh, Ledo, ce n'est pas ce que je voulais. Lâche-moi, ne me touche pas. Hey, nous en Vas-y. Sommes encore là. Va les toucher. Je vais les toucher. Ah. Je vais alors. Mais tu les avais touchés. Est-ce que je les ai touchés? Ce n'est que toi que je suis en train de toucher. Lâche-moi. Comme maintenant, je suis en train de te toucher. Arrête. Arrête. On y va bouger. Prends nos effets. Hey. Comme ça, on y va. Hey. Qu'est-ce que tu veux qu'ils puissent porter ça, hein? Qui? Oledo, dépêche-toi. On est en retard. J'arrive. Ha, j'arrive. Ça va faire un an depuis que j'arrive. Hein? Allez, de quoi? Ah, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Et tu es sortie n'étant même pas prête. Mais qui a dit ça? Tu n'es même pas prête. Je suis prête. Comment es-tu prête comme ça? Ne me dis pas ça. Regarde, je suis prête. Comment peux-tu sortir en étant habillée comme ça? Comment peux-tu t'habiller ainsi à l'occasion pour laquelle nous allons? La Mais présentation de ma propre fille. Hein? Que veux-tu dire? Une simple présentation. Comment voulais-tu que je m'habille? Non, mais tu as vu comment tu t'es habillée? On dirait une... on dirait une mendiante d'un village voisin. On dirait une servante, hein? Quand on sera là-bas, on verra des grandes personnalités. Nous verrons des femmes. Des femmes habillées magnifiquement. Alors, magnifiquement. Avec des beaux bijoux. Avec des belles perles. Hein? Très bien décorées. Mais voilà que tu es. Regarde ça. Assez avec tes insultes. Assez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je n'irai plus. Tu peux partir seule. Oh, regardez ça. Non, mais regardez-moi ça. Pars. Et laisse-moi tranquille. Ah ah. Donc, je devrais partir. Non, reste. Reste. C'est à tout moment que tu cherches à m'insulter. Cela ne concerne pas du tout partir. Mais sauf que tu veux me laisser aller là-bas, tout seul. Cela veut dire que je n'ai pas du tout de femme, que je ne suis pas mariée. Hein? Tu peux prendre l'une de ces filles que tu aimes tant qui s'habille bien et partir avec elle. Ha!
Je crois que tu ferais mieux d'aller seule plutôt que de partir avec toi. On pourrait même m'insulter à cause de toi. Ah ah, es-tu ma servante? Tu es bien ma femme. Je ne suis pas ta femme. Je suis une mendiante du royaume voisin. Ah, c'est bien ce que tu es. Ah, belle jeune fille. C'est comme ça qu'une femme devrait s'habiller. Je vous salue. Ma chère fille. Voilà. Très bien habillée, bien vêtue. Voilà exactement la manière dont les femmes sont censées s'habiller. Très bien habillées. Très bien vêtues. Hein? Mais ma femme, elle aime s'habiller bizarrement. Je ne sais même pas ce qui ne va pas avec elle. Est-ce un problème d'argent? J'ai de l'argent. Utilise l'argent que j'ai pour t'habiller et faire de toi une très belle femme. Bien sûr que non. Tu veux t'habiller bizarrement et puis venir avec moi. Bam, ça marchera pas. Regardez celle-là, même celle qui est passée ici. Belle. C'est comme ça. Et comme ça, je pourrais marcher avec elle. Je pourrais marcher, étant très à l'aise comme un jeune garçon. C'est la clé. Hé, vous avez vu la façon de Mazidou qui nous regardait? Qu'est-ce que tu veux dire? Il nous regardait? Je dirais oui, si enfin il m'épousera. Ah! Comment vas-tu te sentir si jamais tu devenais la belle-mère d'Orena? Je dirais sérieusement oui. Hey. Vous ne savez pas que Mazudike, c'est vraiment un bon homme. Je dirais oui s'il me demandait de l'épouser. Tu es avide? Oui. Insensé. Il cherche toujours une occasion pour me ridiculiser. Hein? Va te trouver celles qui ont le genre de tenue que tu aimes. N'importe quoi. Tu vas me trouver à ton retour. N'importe quoi. Mazidike est allé seul. Très bien. Mais sa femme est à la maison. Il n'y avait pas moyen d'entrer dans leur hutte pour jeter le charme. Tu ne pouvais pas entrer à l'intérieur pour prendre l'enfant. Oui, papa, je ne pouvais très pas. Très bien. Nous devons changer les plans. Oui. C'est quand l'oiseau essaye de voler avec ses semblables. Moi, Ekodike, la force dans le cœur. La force dans le cœur. Papa... Suis-moi. Mais papa, calme-toi un peu. Je suis ton fils. Oui. Dis-moi, quels sont les autres plans que tu as? Viens seulement avec moi. Adjuka. Je te suis. On a tellement de choses à faire très importantes. Papa...
Hey, Annie, tu es à la maison. Hey, comment vas-tu? Je suis chez moi. Comment veux-tu que j'aille? Donne-moi une Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi de m'asseoir. Que je te donne une place? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te prend? Premièrement, c'est ton fils qui était venu ici. Il voulait abuser de ma fille. Et maintenant, c'est toi. Mon mari n'est pas à la maison. Qu'est-ce que tu es venu faire? Aujourd'hui, tout le monde le saura. Je vais crier si fort. Au violeur! Lâche-moi. Au violeur! Lâche-moi. Venez, au secours! Au violeur! Venez voir ces violeurs! Bouc, tel père, tel fils. Hey! C'est comme ça qu'ils ont failli violer ma fille. Mais qu'est-ce qu'il était venu chercher chez moi? Mon mari est absent. Hein? Est-ce qu'un homme peut devenir l'ami d'une femme? Juste comme ça? Naïkwa, je te salue. Éduquer court comme ça, comme si c'était un homme qui a perdu la tête. Je pense que il ne court pas pour aller voir cette veuve. Je remercie Dieu. Je ne peux pas laisser ça. Je dois savoir ce qui se passe. M'a besoin de prendre la terre chez Dike. Je dois vraiment la voir. Dike, c'est un homme fort. Je dois vraiment faire quelque chose. Il n'est pas quelqu'un que je peux duper facilement. Qui dois-je faire encore? Tu aurais vraiment dû me voir. J'ai dansé. Tous les yeux étaient rivés sur moi. J'espère que tu n'étais pas allé là-bas pour me réutiliser. Parce que tu ne sais pas danser. Tu aurais dû voir ça. J'ai bien entendu. Tu es juste jalouse parce que tu n'étais pas là. C'est pas un problème. Ekonik était venu ici. Quoi? Il a dit qu'il voulait s'entretenir avec moi. En mon absence. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pour qui tu me prends? Je m'étais mise à crier. J'ai crié et il s'est enfoui. Je ne suis pas comme toi. Tu sais que j'ai beaucoup de respect envers toi. Bien. Bien. Il est grand temps que je... résolve ce problème une fois pour toutes. Que comptes-tu faire? Nandi qui est en route pour ici. Nandi. Et puis? Papa, l'attitude qu'il a n'est pas du tout favorable. Je l'attends qu'elle vienne ici. Oui. Et quoi? Mais. Et quoi? Dike,
Eh quoi? Dis que... Je suis content que tu me répondes. Écoute-moi maintenant. Je suis venu ici pour te mettre en garde. Je suis ici pour te mettre en garde. As-tu entendu cela? Oui, j'ai bien entendu. Je tu es là pour m'avertir. Je suis venu ici pour te prévenir. Eh quoi? Et ceci sera le dernier avertissement que je vais te donner. Eh quoi? Laisse ma famille. Laisse ma famille. Laisse-la en paix. Ne continue pas à terroriser ma famille. Terre. Devrais-je vendre mes terres? Ne t'ai-je pas dit que je ne vais pas les vendre? Combien de fois vais-je te dire que je ne vais pas les vendre? Je ne vais pas les vendre. Jamais. Et même si je le voudrais bien, je ne les vendrai pas à toi. C'est la dernière fois que je te préviens. M'as-tu entendu? Dicker, j'étais très bien entendu. Mais ce qui m'inquiète de plus est que... Qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette terre? Parce que c'est tellement évident que tu partages, qu'il donne une moitié des terres. C'est tout ce que j'en ai besoin. Personne ne prendra bien soin de tes terres. Si ce n'est que moi, ton ami. Le fils que les esprits... Écoute, j'ai un très grand effort, fils, hein? Et tu m'interdis d'acheter ta partie. C'est ça. Comment est-ce que tu gardais les terres pour toi-même, hein? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je suis le seul homme important qui ne peut pas abuser de ta femme. Tu as le choix. Ou je suis prêt à payer tout ce que tu veux. Par contre, il faut me les donner. C'est ça le plan. J'espère que tout va bien. S'est-il battu avec toi? Naï, parle-moi. Hey. Naï, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Parle, s'il te plaît. Ekwe avait raison. Je n'ai personne à qui je pourrais léguer mon héritage. Oled ne peut avoir un autre enfant à ce vieil âge. Elle n'a même plus l'air attirante d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment besoin d'un fils. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème?
Qu'est-ce qui te dérange? Je t'ai appelé ici pour t'informer et aussi demander ta permission pour faire venir une seconde femme. Pourquoi? Ne crois-tu pas que nous avons besoin d'un fils dans cette maison? Alors, rends-moi enceinte. Olédo. ce n'est pas aussi facile que ça. Hein? Olédo, nous sommes tous les deux très avancés en âge. Et tu sais ce que cela veut particulièrement dire pour les femmes. Es-tu toujours capable de porter une grossesse à cet âge? Hein? Souviens-toi à quel point c'était très difficile pour toi de porter la grossesse de Urena. Je me rappelle bien. Tu m'avais dit que le sexe des enfants pour toi ne représente aucun problème. Ça ne te dérange pas du fait que les lions voulaient seulement te donner Urena comme enfant. Maintenant, tu changes de parole. Et si cette seconde épouse venait et qu'elle n'était donnée que de fille comme enfant, que vas-tu faire? Hein? Tu viens de dire que j'ai pris des lâches. Toi aussi, tu as pris des lâches. Es-tu encore en mesure de faire des enfants tels que tu es là? Est-ce encore possible? Olédo, je suis toujours capable de faire un enfant. Tu sais que pour nous les hommes, c'est très différent. Tu sais très bien que je peux bien faire des enfants. Hein? Je sais que nos dieux ne peuvent pas me mentir. Quand elle viendra ici, elle va nous donner un bon garçon. Pas de problème, Naï. C'est notre tradition. Tu peux aller te trouver une autre femme. Je te soutiendrai. Tu vas me soutenir? C'est comme si j'avais les choix. Olédo. C'est ce pourquoi je t'aime comme pas possible. Ta femme est au courant que tu vas prendre une seconde femme? Elle me soutient d'ailleurs. Elle me soutient. De toute façon, ce n'est pas comme si elle avait un choix. Dans notre tradition, il est autorisé à l'homme d'avoir deux femmes. Il faut que je voie mon amie. Je veux parler avec elle. Ah! Tu le feras? Très bien. Je sais qu'elle va m'écouter. Elle le fera. Je suis vraiment sûr. Hé hé! Que les dieux soient bénis. Sais-tu aussi que l'autre jour, hein, j'étais en train de la suivre. Je la suivais et une fois qu'elle regardait derrière, je faisais comme si, je ne la suivais même pas. Tu sais, je voulais... C'est seulement parce que je n'avais pas eu le courage de trouver quelqu'un pour lui parler.
Je lui parlerai et je te réveillerai. Hey, que les dieux te bénissent. Hey, je me sens déjà très bien. Hey, ça va marcher, ça va marcher. Hey. Quand je lui aurai donné un enfant, j'aurai droit à tout. Et puis, je vais chasser Oluedo. J'ai appris que sa fille, Uena, est à Lumonodou. Elle ferait mieux de ne jamais revenir. Écoutez, le plus important pour établir un plan solide, premièrement, tu dois épouser Malsuna. Et puis, nous lui prendrons sa terre. Oui, mais comment est-ce possible? Mmh. Oui, comment? Maintenant, écoutez-moi. Après l'avoir épousée, je viendrai et je dirai que tu as beaucoup d'argent pour moi. Alors, la seule façon pour me restituer est de me donner une partie des terres à un endroit bien précis. Et il n'aura pas le choix que de payer sa dette, oui. Et après, tu seras sa femme et lui, ton mari. Non. Mm-hmm. De quoi je vais bénéficier dans tout ça? Mm. Tu as beaucoup à bénéficier. Nous aurons la terre. Et je vais vous en donner une partie. N'est-ce pas ça une bonne idée? Alors, je suis intéressée. Ok. Bientôt, ça sera toi, Edike, mon ami. Bonne vie, Marie. Merci. Je vous reviens. Ok, Nine. Attendez-moi. Tu n'as pas besoin de me supplier pour quoi que ce soit, hein? Ta beauté est incomparable. Oh, Nine. Je savais que j'allais dire ça. Nem. Oh, tu en fais là, hein? Ça se quoi? Onode, bonjour. Hey. Comment est-ce qu'elle vient de m'appeler? J'espère que tu ne planifies pas d'épouser cette chienne. Une fille qui couche avec tous les hommes de ce royaume, y compris le mari des autres. Hey! Non, c'est pas vrai. Là, c'était avant. Maintenant, je vais t'épouser, non? Je vais stopper. Oh, t'es pas heureuse? Ferme ta bouche! Je vais être ta rivale. Hé! Hein? Contrôle ta manière de parler à ma femme. Naï. Ah! C'est bon. Je te soutiens. J'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire. Mais tu vois cette fille? Tu ne vas pas l'épouser. Tu ne peux pas. Tu dois épouser une jeune fille qui sera performante. Hein? Et pas cette chèvre, elle a l'air plus vieille que moi. L'épouser sera une insulte pour moi. D'ailleurs, toutes ses amies sont mes ennemies. Et si tu l'épouses, elles vont commencer à venir ici la rendre visite. Et cela sera une insulte pour moi dans ma maison. Tu ne peux pas l'épouser. Si tu veux d'une autre épouse, va chercher n'importe où, même en dehors de ce royaume. Ça me va. Mais pas celle-là. Celle-là est de ma génération. C'est juste parce qu'elle a plus de colorants aux cheveux. Ah. Naï. Ikroli est une profiteuse. Une chienne. Tu ne vas pas l'épouser. Elle a couché avec tous les hommes qu'elle a croisés dans sa vie. Ah. Y compris Ekodike. Et quoi? Eh hey, ouais. Hey, donc, tu couches avec mon mari. Hey! Hey, tu continues à me tenter, hein? Hey, toi! Hey, Ojo! Hey, c'est toi qui es malade, oui! Tu es malade! Attends, je vais te faire! Attends! Hey, c'est pas de faire un homme! Regardez-le! Hey! Je n'aurais jamais imaginé! Oledo, merci de m'avoir sauvé de ces chiennes, de ce feu! Hein? C'est bon. Je sais que tu étais aveuglé par sa beauté et sa manière de s'habiller. Hey. Et elle a profité pour te ramener dans son piège.
C'est exactement ce qu'elle fait à tous les hommes de ce royaume. Hey! T'inquiète pas. Connais-tu la raison pour laquelle son mari l'avait chassée de la maison? Elle était mariée. Mais cette femme est vraiment très très belle. Mais elle ne peut pas rester avec un seul homme. C'est quoi ce genre de femme? C'est pour ça que je t'avais dit. Je te soutiens, pars, même en dehors de ce royaume. Et trouve-toi une fille, une jeune fille, à fleur de l'âge. Oui. Encore très fort. Que... Regarde-toi. Jeune fille, tu as bien dit jeune fille. Va te trouver une femme, même en dehors de ce royaume, je te soutiens. Hein? Mais quant à celle qui était ici, je ne suis pas d'accord. Mais quant à ma chambre. Eh oui, Oledo, cela veut dire que mes recherches doivent reprendre à zéro. Elle doit être fraîche. Si seulement je trouve une femme qui me plaît, je vais te la présenter. Mais pour celle-là, c'est non. Tu sais que si je ne te soutiens pas, selon la tradition, ça ne doit pas marcher. Merci, oh, merci beaucoup. Laisse-moi maintenant me concentrer à te rendre heureuse maintenant. Sérieusement, Ike, mais comment ai-je pu aller parler à ces filles, sérieusement, hein? Je les battrai pour toi. Ogini. Oyoma. Nine. Ça va? Oui, Nine. Tu vas bien? Je vais bien. Je pensais venir dans ta maison. Eh bien, tu viens de me voir maintenant. Qui a-t-il? Ah, Nine, ok. C'est pas ici qu'on va parler. Si tu vas au champ, allons-y. Tu veux venir avec moi au champ? C'est pas un problème, Nine. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas prendre ma machette? Moi, non, ma chérie. Tu sais que quand je vais arriver à la ferme, ça sera travail. Hein? Quand nous allons arriver là-bas, tu dois être brève. Pas de problème. Laisse-moi t'aider avec ça. Non! Ah! Laisse, ne touche pas à ça. C'est bon. Non, mais qui peut faire cela? Un homme doit avoir sa machette. Et s'il y a des bandits devant nous, hein? Qui est-ce qui va te protéger? Moi! Non indiqué. Bonne journée. Qu'est-ce que tu veux? Mon mari n'est pas à la maison. S'il vous plaît, tu dois m'écouter. Assis-toi, on parle. Toi et moi s'asseoir et discuter. S'il vous plaît. Ok. Bien, je suis là pour m'excuser de tout ce qui s'est passé la fois passée. Je n'avais pas mes vrais sens avec moi. J'étais stressée avec un autre problème. Et je suis vraiment désolée. En tout cas, je ne vois même pas en quoi cette excuse te sera utile. Parce que premièrement, tu n'aurais même pas dû être là. Je ne sais pas pourquoi tu es là. C'est vraiment intéressant. Ton mari, Ike, est intéressé par moi. Permets-moi d'être ta rivale. Pas tant que je vivrai. Alors, tu dois mourir parce que je vais épouser ton mari. Tu mens. Ça ne doit pas marcher. J'épouserai ton mari. Tais-toi. Toi, bêtise. Tu veux m'indiquer? Tu ne l'auras jamais. Espèce de folle. Insensée. Idiote. Voleuse. Qu'est-ce que tu attends? Viens. Parmi tous ces hommes qui sont dans ce royaume, il n'y a que m'indiquer que tu as trouvé. Ça ne marchera jamais. Idiote. Elle ne peut pas rester chez elle. Hein? Elle ne peut donc pas se trouver un autre homme à part Mondike.
Tu te trompes. N'importe quoi. Bien, nous y voilà. Voici le plus petit de mes champs, aux environs d'ici. Mazudike, si cette terre est petite, à quoi ressemble l'entièreté de ta terre? C'est vraiment énorme. Mazudike. Hey! Oh yeah. Olama. Oui? Je veux que tu cours vite vers la maison d'Oma. Dis-lui que j'ai mal à la hanche et à la poitrine et qu'elle prépare un bon plat pour atténuer ma douleur. Et puis tu la portes ici. Nain. Nicole, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Nain. Très bien, viens, on s'assoit. Avance. Assis-toi. Alors, qu'est-ce qui te fait pleurer? Pourquoi tu froisses ton visage? Naï, je vais épouser Dike. Et il est libre et prêt. Pourquoi je ne peux pas être avec lui? Tu peux avoir Eke, si tu veux. Je vais t'aider pour ça. Mais, s'il ne me trouve plus intéressante, comment tu feras? Tu seras désespéré? Avec toi, je n'ai pas de secret. Mais je te conseillerais d'oublier tout ce qui s'était passé. Maintenant, utilisons la sagesse. C'est alors que je vais t'aider et je te dirai quoi faire. Nine. Tu veux vraiment abuser de moi? Bien sûr que non. C'est une sorte d'entretien. Je ne peux pas t'aider pour rien. La question est balancée. Tu utilises ce que tu as et tu obtiens ce que tu veux. Viens, entrons dans la maison. Non. Ça fait très longtemps que tu ne fais que demander mon corps. Pourquoi tu me fais ça? Ah, toi aussi. Il faut comprendre les choses. On va s'entraider. J'aimerais que tu comprennes cela. Entrons dans la maison. Non, je ne peux pas faire ça. Non, ça c'est pas bien. Nain, pourquoi tu me fais ça? Et après, on saura ce qui est bien ou pas. Nain, s'il te plaît. Allons-y, entrons. Est-ce que c'est juste? J'ai permis à Koli de se marier à Dike et avoir des enfants avec lui. Même deux garçons seulement. Après cela, nous pourrons la chasser. Hey! Mais ce sera très difficile. Peu importe. Je crois qu'il faut que je cause avec elle. Et aussi discuter avec mon mari. Es-tu sûr que tu veux vraiment faire ceci? Cette nuit, je vais utiliser mon corps. Pour s'excuser. S'il te plaît, faisons ça. Écoute. Je ne veux pas. Je ne veux simplement pas manger ce qui appartient à Ekwen. Je ne suis pas comme ça en fait. Ça lui appartient, mais je te les donne. Alors fais-moi plaisir. Allons faire ça. Ah.
Obi, tu ne peux donc pas me saluer? Écoute-moi, j'étais vraiment distrait. Pardonne-moi. Bonjour, Ned. Oui. Bonjour, ma fille. Merci. Il faut que tu ailles rapidement dans ton champ, immédiatement. En ce moment, quelque chose de mal est sur le point de se produire. En fait, quelque chose de mal se produit déjà. J'espère que mon mari dit qu'il va bien. Mais elle est sur le point de le dévorer. Qui? Je ne peux pas en dire plus en tout cas. J'ai fait ma part. Obina. Hey. Je t'aime beaucoup, mon Seigneur. Mais c'est pas mon Seigneur. Dis-moi. J'adore ça. Hein? Tu as une de ces douceurs. Il faut être belle. Je vais très bien m'habiller pour toi. Papa! Hey! Sois précis, qu'est-ce qui ne va pas? Mais... Papa, ce que je viens de voir. Mais finalement, c'est... Parle ce que tu as à parler. Écoute, papa. Hein? Hey! Ify! T'assois, disons, Ify. Mazeke, je dégage. Il ne faut quand même pas t'inquiéter pour ça. Il n'y a pas de problème, s'il te plaît. Comme on dit souvent, la roue continue de tourner. Tu as dit que tu as un rapport à me faire. Je t'écoute. Papa, ne t'inquiète pas, d'accord? Tout va bien. Hein? Hey! C'est quel genre de fils ça? Comment peut-on expliquer cette situation? Il est juste venu. Hey, papa, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai dit, vas-y, je t'écoute. Parle-moi. Non, il n'y a pas de problème. C'est quel genre de fils ça? Tu es sûr que ce garçon n'a pas la maladie mentale? C'est à vérifier. Vraiment à vérifier. Hey, arrêtez. Toi, hey, tu y es la seule qui avait ouverte la bouche. Regarde-toi très bien. Tu es vraiment bizarre. Trop bizarre. Hey. Ah, tu es un fou. Hey, oh, tu ne me connais pas. Oh. J'en finirai pour moi avec toi dans ce village, si tu veux me tenter. Dans ce même village. Hey, je vais lui donner une mauvaise leçon. Elle me connaît très bien. Je vais l'enseigner. Ok, ne te dérange pas. On verra. Onedo, tu es là, est une filière. Qu'est-ce qu'il y a exactement?
vas-tu parler? Tu commences vraiment à me gêner là. Naï. Et si je t'ai demandé d'engrosser Nkoli pour qu'elle nous donne des enfants, après cela nous allons la faire partir. Oh, ma chère, je n'ai jamais vu une famille heureuse comme celle de Mazidike. C'est le rêve de toutes les femmes, d'avoir un homme comme Mazidike. Je prie pour que Dieu puisse me donner un mari comme Mazidike. Regarde-toi. Tu penses que c'est seulement toi? Moi aussi, oh. Hey, regarde. Tu n'es pas seulement toi. Je prie pour que Dieu puisse me donner un mari Je vais l'épouser. Et attentionné comme lui. J'espère que rien n'est arrivé. Ah, mais j'attendais qu'il dorme pour que je vienne. Mais avant cela, je lui parlais à propos de ça. Donc, on doit être prudent. Ok, très bien. Tu sais ce que tu as à faire, non? Tu fais comme si tu es enceinte. Hmm? Tu as son bébé dans ton ventre. Hmm? Mm. Alors, laisse-nous l'accuser pour qu'il paye. Alors, qu'est-ce que je ferai? Très bien. Je m'attendais à cette question. Tu dois coucher avec lui. Hmm? Ça prouve spécialement qu'il y a l'amour. C'est la seule chose que je veux. Naïkwe, le roi des terres. Hey! Pas de problème. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Laisse-moi partir et faire à manger pour mes enfants. Vas-y, Ekwe est derrière toi. Ah, Naï, ce n'est plus pareil. Hey, voilà les choses qui sont en train de s'arranger. Hey, les plans sont en marche. Ah! Ah, Diego! Intéressé. Olé donc, ça c'est très bien. Ça mérite une célébration. Attends, hein? Laissez-moi aller prendre le vin de palme. Emmène-moi le vin de palme, je dois commencer à boire. Allez, viens t'asseoir là. Hey! Que les dieux te bénissent en tout cas. Nine. Hey! J'ai dit exactement où je veux que soit. Oui, je veux le faire souffrir. Et ça, c'est le meilleur plan pour moi, vraiment. C'est vraiment parfait. Il va le sentir. Toi, je te remercie beaucoup. Je vais faire en sorte qu'il se rapproche. Et me rassurer qu'elle les séduise vraiment. Après ça, je veux contrôler son existence tout entière. Et quoi dit que l'homme le plus fort, la voix des esprits, ça c'est moi. Hehehehe.
rituel. Hey, hey. Ils le font déjà. Ils n'ont même pas entendu que je parte loin. Golly. Golly. Hey. Apparemment, je suis enceinte. Quoi? Tu as quoi? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par comment? Tu sais très bien que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas couché ensemble. Tu le sais bien. Avec qui tu as couché? C'est bon, relax. Mais dis-moi la vérité, qui l'a fait? Je suis enceinte des Ozodité. Quoi? Tu as couché avec Dike? Dike. Les tireurs d'élite. Ah! Tu ne rates pas ta cible. J'avais au fait amené le vin de panne à elle et à sa famille. Quoi? Demandant sa main en mariage, oui. C'est pas vrai. Tu veux dire, tu as fait cela sans pourtant m'informer? Hein, Dike? Bien, je suis enceinte de lui. Je suis déjà enceinte d'éduquer. Il n'a pas rencontré des femmes pour enfanter pour lui. D'ailleurs, je suis sûre que l'enfant que je porte est un trésor. De quoi tu parles? Non, mais je suis enceinte de toi. Quoi? Qui? De qui? Toi. De moi? Va chercher cet homme qui t'a déjà épousé légalement, ok? Pas moi, pas cet homme que tu vois là, pas Dike. Un instant. Rappelle-toi les jours auxquels elle avait accepté de faire pour nous les enfants. Hein? J'étais allée prendre la nourriture et à mon retour, j'avais entendu un son un peu bizarre qui provenait de la chambre. Et avant mon retour, tous les deux, vous étiez déjà dans la maison. Plus tu regardes, moins tu me vois. Écoute, laisse-moi te dire. J'étais simplement en train de masser sa jambe. Rien ne s'est passé. Cette fille que tu vois ici même, cette sorcière, elle avait insisté à ce que je ne la touche même pas. Elle avait insisté à ce que je ne puisse pas pénétrer. Demande-lui si je ne dis pas la vérité. Demande-lui. Alors qui t'a mise enceinte? Qui est-ce qui t'a mise enceinte au juste? Ça ne fait pas partie du marché. Parle maintenant. Dike, je vais comprendre ce qu'on parle exactement. Ferme-la au bouquet. Ferme ta bouche. Il m'a pas accepté. Hey! Tout est clair maintenant. Elle est gay, Dike. Hey! Moi? Et quoi? Je n'ai pas couché avec un homme depuis lors jusqu'à maintenant. Depuis que je t'ai venu m'excuser. Je suis allé le visiter. Il a insisté qu'il voulait avoir mon corps. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. C'est plus clair. Parfait. Voilà. Reste voilà maintenant. Tu n'as pas honte de toi. Mais, bienvenue. Bienvenue dans notre maison. Ok? Sens-toi à l'aise.
pour de vrai. Enfin, je vais avoir un fils qui va hériter de mon héritage, mon Dieu. Loué soient les dieux. Bienvenue. Je prendrai bien soin de toi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.